Charlène a mis en bouteille un huitième de sa production de cidre. Elle a rempli six bouteilles toutes identiques. Laquelle de ces divisions permet de calculer la fraction de sa production de cidre que contient chacune des six bouteilles Choisissez une seule réponse parmi les réponses qui sont ici. Alors comme d'habitude commence par réfléchir tout seul en mettant la vidéo sur pause et puis ensuite on se retrouve pour le faire ensemble. Alors en fait la situation c'est que Charlène a produit du cidre et elle a mis en bouteille une certaine partie de cette production. Donc cette partie-là, c'est un huitième. Et ensuite, avec cette quantité-là, elle a rempli six bouteilles toutes identiques. Donc en fait, elle a réparti ce huitième de la production dans six bouteilles toutes identiques. Donc elle a divisé cette quantité-là en six parties égales. Donc l'opération qu'il faut faire ici, c'est un huitième divisé par six. Et cette opération-là, eh elle nous donne la fraction de sa production de cidre qui est contenue dans chacune des bouteilles. Alors, effectivement, on retrouve cette opération ici, un huitième divisé par 6, donc ça, c'est la bonne réponse. Allez, on fait un autre exercice, je te propose celui-ci. Alors ici, c'est un peu différent, on nous propose une opération qui est 1 demi divisé par 7. On nous demande de choisir parmi les trois problèmes qui sont là, un problème qu'on peut résoudre en effectuant cette division, 1 demi divisé par 7. Donc je te laisse réfléchir tout seul en mettant la vidéo sur pause, et puis on se retrouve pour le faire ensemble. Alors le premier problème, c'est Jade a 1 demi kg d'assortiment de fruits secs, elle le répartit équitablement entre ses 7 amis. Combien en aura chacune d'entre elles Alors effectivement c'est comme tout à l'heure, ici on a une certaine quantité de fruits secs, hein. Donc c'est 1 demi kilogramme. Et puis elle va diviser, répartir équitablement entre ses 7 amis cette quantité de fruits secs. Donc l'opération c'est 1 demi qu'elle va diviser par 7. Donc ici l'opération c'est 1 demi divisé par 7. Donc c'est exactement celle qu'on nous propose. Donc ça c'est un problème qu'on peut résoudre en effectuant cette division. Alors on nous dit qu'il n'y a qu'une seule réponse, hein, donc c'est celle-ci qu'on va choisir, mais je vais quand même regarder les deux autres. Walter a 7 hamsters, chaque hamster pèse 1 demi-kilogramme, quel est le poids total des hamsters Donc ici on a en fait 7 hamsters qui pèsent tous un demi-kilogramme, donc le poids total, ici c'est ça qu'on nous demande, hein, c'est le poids total des hamsters, et bien ça sera 7 fois 1 demi, 7 fois 1 demi-kilogramme. Donc effectivement, ce n'est pas la bonne opération, donc on peut le barrer. Le dernier problème. Pour sa fête, Christine avait commandé 7 pizzas. Son frère a mangé une demi-pizza, une moitié de pizza, avant le début de la fête. Combien reste-t-il de pizza pour la fête Eh bien ici, l'opération qu'il faut faire, c'est le nombre de pizzas au total qu'il y avait au départ, moins ce qu'a mangé le frère, donc moins un demi. Donc tu vois, ça n'est pas non plus la bonne opération.